Bonjour à tout le monde. Voilà, aujourd'hui je vais vous montrer un tuto pour faire un effet boule de feu et boule d'eau. Voilà, dans un fond comme ça. Alors, c'est très simple. Il suffit juste quelques techniques, mais bon, vous verrez bien. Voilà. Alors, dans un premier temps, vous prenez ce fond-là. Tous les brushes, tous les fonds, si vous les voulez, vous me les demandez, je vous les donnerai volontiers, il n'y a aucun problème, hein. Alors, dans un premier temps, vous prenez la main, vous faites un copier-coller. Alors, bien sûr, elle est trop grande, largement trop grande même, hein. Faut la diminuer. De façon avec les deux points que les deux points rentrent. Enfin, le point déjà. Le deuxième, vous le ferez après. Voilà. Vous validez. Vous recliquez droit, transformation paramétrée. C'est l'autre côté. Voilà. Alors, vous mettez l'angle là. Alors, on va arrondir, on va le mettre à 70%. Voilà. Comme ça. Vous prenez l'outil gomme et vous gommez tout l'avant-bras, qui reste que la main, quoi, en fin de compte. Voilà, que ça fasse ça. Voilà, ça, vous le dupliquez. Vous le mettez en face. Voilà. Et voilà. Vous le transformez en noir et blanc. Pardon. Hop là. Alors, vous allez sur filtre, vieillir, noir et blanc. L'autre, pareil, filtre, vieillir, noir et blanc. Voilà. Après, vous allez là. Alors là, on est sur le deuxième. On va le mettre sur du bleu parce que ça sera soit qui fera l'eau. Voilà. Sur celui-là, vous retournez là. Et vous mettez sur jaune-orange à peu près. Hein, voilà. Méthode 1, colorisé. Hein. Et voilà, ça sera jaune. Alors, on va commencer par les flammes. Voilà. Vous faites copier, coller, vous le redimensionnez, vous validez. Vous allez dans calque, transparence, couleur de transparence, et vous enlevez le noir. Voilà. Après, vous retournez au calque, transparence, dégradé transparent, radial. Voilà. Et vous mettez comme ça. Vous dupliquez. Et vous fusionnez les deux flammes de façon que ça soit là-dessus. Ça, vous le mettez par-dessus. Vous le réglez à peu près comme ça.
de façon que tout le point soit pris dedans. Ou cliquer sur la flamme, vous enlevez tout le superflu. Voilà. Et j'en ai trop enlevé. Alors, on commence. Voilà. La gomme. Voilà, vous gommez tout ce qui est autour. Après, vous allez sur la main, vous cherchez ce filtre-là, copier, coller, vous redimensionnez bien sûr. Vous validez. Vous allez dans calque, transparence, couleur de transparence, vous cliquez sur le noir, bien sûr. Vous redimensionnez de façon validé. Comme ça, impeccable. On peut enlever ça aussi. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ce filtre-là. Copier-coller. Vous le redimensionnez. Vous validez. Vous allez dans calque. Transparence. Cool. Transparence, couleur de transparence. Voilà. Prenez la gomme. Vous gommez juste le petit bout là. Après, bon, c'est suivant comme vous le sentez, quoi. Hein. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Hein. Moi, je vous montre juste à peu près comment il faut faire. Après, vous faites suivant votre idée à vous, quoi. Hein. Alors après, vous pouvez les colorer, bien sûr. Tout ce qui est couleur eau, vous les mettez dans les fonds bleus. Voilà. Ça donnera un meilleur aperçu.
Alors, tout ce qui est du côté boule de feu, vous mettez en jaune, orange. Et tout ce qui est du côté flamme bleue, enfin l'eau, vous mettez ça en bleu. Hein. Voilà. Oui, c'est ça, c'est bien ça. Redimensionner. L'idée, ok. Validé, mettez en bleu. Après, vous pouvez jouer avec les éclairages, hein. Après, c'est suivant votre goût, bien sûr, hein. Ça, c'est. Voilà, mais peut-être plus clair, plus foncé. Voilà. Après, pour faire des petits effets de flamme quand même, hein. Pour que ça en fasse un peu plus. Copier. Coller. Redimensionner, j'arrive plus à parler. Voilà. N'oubliez pas de valider, hein, sinon vous pouvez plus rien faire. Ouais. Coller, prendre une dimension. On valide. On va gommer le petit superflu qui est là. Voilà. Et on va rajouter un petit peu de ça. L'idée. Et voilà un effet. Après, bien sûr, vous pouvez. Là, c'est juste les bases, hein, que je vous montre. Mais vous pouvez vous fusionner tout. Voilà. Après, vous pouvez en mettre plus, moins, comme vous voulez. Pour ajouter votre nom, c'est simple. Voilà. Alors j'ai trouvé des petits effets tout à l'heure, faut que je m'en rappelle. C'est
passer dans filtre, sur voilà, contour progressif. On va le mettre en blanc. Non, on va mettre allez. Voilà, on va diminuer un peu. Voilà, diffusion. Non, flou. Allez, voilà, on va faire avec ça. Voilà, on retourne dans filtre, esthétique, contour 3D. On va mettre couleur, pareil, orange. Donc là, voilà, j'étais sur haut et droite. Hein. On va diminuer un petit peu. Augmenter l'opacité. Non, on va diminuer plutôt. Excusez-moi. Voilà. On fait. Voilà. Là, ce sera mieux. Voilà. Donc là, on était sur haut et droit. Voilà. On va y retourner. Contour 3D. Et on va mettre sur haut et gauche. Voilà. Et ça va vous donner cet effet-là. Qui, je trouve, est assez sympa, quoi. Voilà. Et ben voilà pour ce petit tuto. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez les brushes pour faire ces effets-là, bah, vous me les demandez. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et je vous dis à la prochaine.